Bonjour, ça va, comment on va? J'ai une mouche qui m'a piqué. On est à peine 2 semaines de la rentrée et j'ai envie de faire encore des tenues Second Empire. J'ai plein de tissus à passer donc je vais les passer. Mais je ne sais pas de quelle couleur je vais la faire. J'ai fait plein de dessins à cause de beaucoup de tenues que j'ai vues sur Instagram, de gens qui font leurs tenues eux-mêmes, ou alors à cause de graveurs sur Pinterest. Mon tableau vraiment d'épingle sur Pinterest à propos du Second Empire, il est full, mais alors rempli à ras-bord. Je sais même pas s'il y a de bord pour être rempli à ras-bord. C'est drôle. Oh, ça Emilie, dis donc. J'ai très chaud. C'est pour ça que je dis qu'une mouche m'a piqué. J'ai envie de faire une tenue, mais avec la température actuelle. Oh, on est à 28 degrés. Je pense, pour l'instant, je vais juste regarder celle que je veux faire. Je vais faire toutes mes mesures. Je vais regarder les tissus que j'ai et on verra. Il y a un truc qu'il faut que je fasse avant de faire ma tenue Second Empire, c'est ce jupon de tulle. J'ai le tulle, il faut qu'il passe. Voilà. On se retrouve un peu plus tard dans le vlog. Thank you.
Ce que je viens de faire là pour l'instant, c'est que je viens de faire le jupon et je viens de me rendre compte qu'il y a un pli qui n'est pas passé. Là, donc je le coupe par-dessus, je m'en fous, de toute façon c'est en dessous. Donc qu'il soit parfait ou pas, peu m'importe, je referai une ceinture plus tard. Et voilà, j'ai un jupon de tulle pour mettre sous ma robe pour qu'on voit moins les cerceaux de ma crinoline. Ça fait un effet plus propre et puis ça donne vachement de volume à une robe. Ensuite, et ben voilà, une journée bien remplie. Il est à 19h15. Donc je me suis arrêtée. J'ai fait une bonne après-midi de couture. Voilà. Que vous dire de plus? Demain, je ne pourrai pas faire de couture. Je retourne à Bellerive. Mais parce que ma maman fait une brocante là-bas. Je ne sais pas du tout si je vais faire de la couture. Voilà. C'est très chaud. J'aimerais bien finir cette jupe au moins pour fin septembre. Cette tenue plutôt. Parce que cette jupe, je la finis bientôt. Pour l'instant, je vais m'asseoir, respirer un bon coup. Eh bien, nous allons nous retrouver après dans les prochaines séquences. Nous sommes mardi 25 août, il est actuellement 14h36. Je vais commencer à faire ma jupe parce que c'est ce qui me prend le plus de tissu. Aïe! Donc je vais de ce pas couper mes panneaux et coudre tout ensemble. Je commence à prendre la main, à faire des jupes. Merci. Eh bien, nous pouvons y aller. Je change la batterie de cette caméra et nous y allons. Thank you.
s'est peut-être passé un petit laps de temps, puis que j'ai arrêté de filmer. J'ai pas commencé ma jupe parce que j'avais complètement oublié que je n'avais pas fini la ceinture du jupon. Ça y est, c'est fini. Le jupon est prêt. Je l'ai essayé, je peux limite porter sans la crinoline quoi, ça me fait une crinoline à lui tout seul. Il est si épais. Bon après il y aura le poids de la robe donc ça va vite passer tout ça, mais voilà. Faut juste que je mette des agrafes, que ça c'est fait. Du coup j'ai mis à l'intérieur celui que j'ai du coude sur la ceinture. Ça ne vous intéresse point mais il fallait que je vous le dise entre vous et moi. J'ai tout fait à la main, enfin vous avez vu les plans rapprochés. Donc j'ai arrêté parce qu'en plus j'ai fait des crêpes avec mon frère, ensuite j'ai pris ma douche. Et là je prends un petit peu de temps pour moi. J'ai quelques livres, je pense que je vais en lire ce soir. C'est mieux la lecture le soir parce que tu retiens mieux. Et demain, j'attaque réellement la jupe. Voilà. À demain. Thank you.
cette première partie est terminée. Je ne sais pas quand arrivera la deuxième partie de cette tenue en vidéo. Fin d'année, je pense. Très sincèrement, je pense que vous l'aurez avant Noël. Oui. Vous avez dû certainement voir qu'il n'y a que deux étages, on va appeler ça des vagues. Deux étages, des petites vagues sur la jupe parce que j'ai dû utiliser plus de 11 mètres déjà de ce décor que j'ai trouvé à la maison d'Ursule. Et j'ai pris toute la bobine, il y avait 15 mètres. Donc il me reste un peu moins de 5. Si je dois en faire deux autres étages, je n'en aurai pas assez. Et si ça coupe au milieu et que j'en ai pas assez pour finir, ça va faire très moche. On s'est dit que ce serait peut-être mieux de faire d'abord la veste, de voir si j'en ai assez pour la veste. Je pense que j'en aurai assez. Et après, on verra. Voilà. Je ne peux que vous dire ça. Parce que là, j'ai pris toute la bobine qu'il y avait à la maison d'Ursule, il n'y en avait pas beaucoup. Je ne sais pas vraiment comment vous conclure et clôturer cette vidéo. Pour clôturer cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à aimer, partager et commenter cette vidéo si c'est le cas. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bonjour. Moi c'est M, enchantée de te rencontrer. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche sur toutes les notifications pour ne rater pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Voilà, je vais aller plier les serviettes élégantes et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.